Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia. Nous allons présenter ce moment au Seigneur, notre Père, notre Roi, notre Seigneur, notre Libérateur. Je bénis ton nom, ce grand nom qui est vivant, ce grand nom qui sauve, qui bénit, qui élève, qui renouvelle, qui régénère, qui fortifie. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons prendre Proverbe 4, verset 18. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia! Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit célébré en dignité. Alléluia! Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus élève, Jésus élève, Jésus rend propre. Alléluia! Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia! Tu es la lumière, parce que ton Dieu que tu pries là, il est lumière, donc tu es la lumière, tu es dans la lumière, Jésus-Christ est la lumière, il est la lumière que Dieu nous a donnée, alléluia, que son nom soit béni, alléluia, quand on tourne vers lui, le regard, on est rayonnant de joie, alléluia, que son nom soit glorifié, que son nom soit exalté. Amen, 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 amen. Le Seigneur va me ravir en esprit. Le Seigneur va me ravir en esprit. Le Seigneur va me montrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je crois une année, le Seigneur m'avait révélé cette même révélation. Mais je vais vous dire exactement ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré des animaux. Voilà, il m'a montré des animaux, mais ces animaux-là étaient, bon, ces animaux n'avaient pas de souffle en eux. Voilà, ils n'avaient pas de souffle en eux, c'était comme vous voyez, comme des jouets, mais au fait, ce ne sont pas des jouets. Bon, là, ils n'avaient pas de souffle en eux et ils ont pris tout Cocody, ils ont pris Adjamé, Yopougon, partout. Dans tous les quartiers, dans les 10 communes, je ne sais pas si c'est les 10 communes d'Abidjan. Ces animaux qui n'avaient pas de souffle en eux, et je vois quelqu'un qui vient, qui souffle sur ces animaux qui n'avaient pas de souffle en eux, et ces animaux ont commencé à marcher. Ces animaux ont commencé à marcher, et j'entendais maintenant ces animaux comme si c'était des personnes qui ont commencé à parler. Ces animaux ont commencé à parler. Mon frère et ma soeur en Christ, faut fléchir les genoux. Et ils ont commencé à parler. Et d'un coup, je vois ces animaux qui étaient comme des jouets. Ça veut dire que quelqu'un pouvait aller les chuchoter. D'un coup, je vois ces animaux qui étaient devenus furieux. Ils ont commencé à tuer les Ivoiriens. Ces animaux ont commencé à tuer les Ivoiriens. Ils ont commencé à tuer les Ivoiriens qui rentraient, ces animaux-là rentraient dans les maisons, ils tuaient les Ivoiriens. Mais vous savez, ce mois de décembre-là, il faut beaucoup prier. Je vous avais dit qu'il y a des choses qui vont se passer. Il faut prier. Ne me demandez pas est-ce que ça va venir. Faut pas t'attendre à ce que je te dise que ça va venir parce que nous prions, nous gênons pour ne pas que ça arrive. Alléluia. Ces animaux étaient devenus furieux. Et ces animaux ont commencé à tuer les Ivoiriens, à tuer tout le monde. Ils ne tuaient pas de garçons, pas de femmes. Même les enfants étaient tués par tous ces animaux-là. Voilà. Et le Seigneur va parler. Le Seigneur, ces animaux-là, Dieu va me parler, va me montrer un autre plan du combat. Il m'a dit, ces animaux-là, ce sont des gens qui n'ont peur de rien. Ce sont des gens, c'est ce que Dieu m'a dit. Il dit, ce sont des personnes que tu vois là. Ce sont des gens qui sont au milieu de vous, qui vont faire mal. Alléluia.
Voilà, ce sont des djihadistes. Alléluia, ces animaux-là. Ça veut dire que vous voyez ces animaux qui ne parlaient pas, il n'y avait pas de souffle en eux. Et ces animaux maintenant qui vont commencer à parler, et ces animaux, la troisième phase, ces animaux qui sont devenus très violents, et la quatrième phase, ce sont des animaux qui ont commencé à tuer. Ils ont commencé à tuer les Ivoiriens. Et Dieu va me dire que ce sont des djihadistes, ce sont des tueurs qui sont au milieu du peuple ivoirien. Priez, Dieu va vous donner l'explication. Je n'ai pas assez de place sur mon cellulaire là. Alléluia. Il faut demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as montré comme ça? Il faut prier, il faut jeûner. Je sais que mon Dieu va te révéler. Il va te donner l'explication de cette révélation. Parce que ça va être trop long et ça va se couper. Je ne vais pas terminer. Donc, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, toi qui vas prier pour ce sujet. Toi qui vas crier à Dieu pour ce sujet. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur nous épargne de toutes ces tueries, de tous ces assassinats, de tous ces sacrifices, de tous ces démons. Au nom de Jésus, nous allons terminer par la prière. Alléluia. Père, je vais te dire merci pour ta présence. Merci, mon rocher protecteur. Merci, mon roi. Merci, mon libérateur. Merci, ma forteresse. Merci, mon salut. Merci, mon guide. Merci, mon roi. Merci, mon Dieu. Et béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante moyen. Il faut aimer. Il faut partager, il faut s'abonner, il faut s'abonner, il faut partager aux chrétiens, il faut partager aux non-chrétiens, il faut qu'on se mette ensemble pour prier, qu'on se mette ensemble pour glorifier Dieu, pour magnifier Dieu. Alléluia, que le Seigneur annule tous ces démons, brûle tous ces esprits impurs, brûle tous ces djihadistes, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Au revoir. C'est votre servante moyen.